Stop, on ne bouge plus, c'est la réunion de la famille autour de la salle de sport. Hello à toutes et à tous, c'est Benji, et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 14 du Let's Play The Sims 4. Amis, probablement à ceux qui ont regardé l'épisode précédent, vous vous posez probablement la question, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Comment ça se fait qu'on se retrouve sur les Sims 4 au lieu d'Assassin's Creed Unity? Alors, avant de commencer l'épisode, je vais débattre sur tout ça. Alors, en fait, comme vous le savez probablement, le jeu Assassin's Creed Unity est un jeu énormément gourmand au niveau des ressources graphiques, de l'ordinateur, etc. Bon. Personnellement, même si j'ai eu de nombreux problèmes graphiquement avec mon ordinateur, je lui fais amplement confiance pour qu'il m'amène de beaux résultats sur Assassin's Creed Unity. Mais après, 5 heures de travail peut-être pour essayer de trouver le réglage optimal, je n'arrive pas à tourner avec plus de 10 FPS, oui, parce que 20 FPS ce serait bien. Je n'arrive pas à tourner à plus de 10 FPS sur Assassin's Creed Unity, et ça peut être véritablement un problème, mais genre énorme. Donc malheureusement, je vais continuer de travailler dessus pour trouver le meilleur arrangement, mais pour l'instant, pour l'instant, c'est pas positif, mais pas positif du tout. Donc ça m'embête énormément, dans le sens que le jeu, je l'ai acheté quand même 60€, et acheter un jeu 60€ et même pas pouvoir jouer avec, c'est un peu frustrant. Hein. C'est un beaucoup frustrant, c'est extrêmement frustrant, et c'est pas forcément ce que j'aimerais avoir, voilà. Donc je vais continuer bien évidemment de travailler dessus, hein, pour trouver le problème, hein. Mais bon, c'est vrai que c'est très frustrant quand on passe plusieurs heures à essayer de régler ça et puis qu'on se rend compte qu'au final le PC tient mais ne tient pas en réalité. Voilà, malheureusement. Et puis de plus, ce n'est absolument pas du tout dans ma ligne de mire, hein, de m'acheter actuellement un nouvel ordinateur. Hein. Celui-là il est tout neuf, hein, il a un an et demi, donc voilà, c'est bon. Je ne sais pas du tout dans mes objectifs là, de me racheter un ordinateur. Et aujourd'hui j'ai un truc bizarre, mes touches de souris se sont inversées. Donc en clair, pour la touche que j'utilise d'habitude pour faire ce mouvement-là, et ben c'est cette touche que j'utilise pour faire ce mouvement-là. Voilà. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui m'a glandé en se démarrant. Est-ce qu'il y a une mise à jour qui a fait quelque chose? Donc excusez-moi, j'ai un petit peu déconné aujourd'hui avec les... Je sais pas, bon, bref. Qu'est-ce qu'elle fait? Au travail? Oh! D'accord, bah écoutez, regardez, elle a un tout nouveau look pour aller travailler, c'est plutôt cool. Benji, notre Benji, ce qui travaille aujourd'hui, il travaille dans 4 heures. Et il faut que tu atteignes ta compétence 2 en mixologie. Donc tu vas continuer un petit peu de te créer des petites boissons. Hein. Allez hop. Créons des boissons. Tu vas m'arrêter cet ordinateur. Hein. C'est pas vrai. On croirait moi en train d'essayer de régler Assassin's Creed. Non mais dis donc. Oh, j'arrive plus à avancer. Et tu as essayé de me créer ton niveau. Alors elle a fait 3 choses en même temps. On est un petit peu vendredi. Elle a pas école. D'accord. Et t'as des devoirs au moins? Ah bah non, ils sont faits. Moi très bien. Alors quelles sont les compétences? Le niveau... D'accord. Ah ouais, donc elle est pas prête du tout. C'est pas là, cette compétence est ici. Il faudrait qu'elle augmente sa créativité. Mm-hmm. Comment on l'a fait déjà pour augmenter sa créativité? Non. C'est avec des jeux pour enfants. Qu'est-ce qu'on a comme jeu pour enfants? Alors... objet par meuble... alors attendez. Allô? Ah bah je suis déjà dedans, ok. qu'est-ce que c'est que ça? On va prendre ça. Est-ce qu'elle est dispo en rose? Bah oui. Oula! Ça oui, non. On va oublier. C'est pas trop grand.
Ah oui! Bon bah là, on va dégager ça. Ça, on va le mettre à côté. On va le mettre dans le couloir, tiens. Ici, voilà. On va y acheter ça. Je pense que ça va y plaire. C'est moins cher. Alors. C'est une très belle maison de poupée, hein. Alors, je sais pas du tout ce qu'elle peut faire avec. Alors, je pense qu'elle peut développer. Jouer à la poupée. Attendez, alors attendez. Où est-elle? Ok, et toi, c'est comme ça que tu bosses, toi. C'est comme ça que tu améliores ta compétence. Ah, mais bravo, ouais. Ah ouais, c'est vraiment des petites poupées, quoi. C'est vraiment des petites poupées. Je suis obligé de faire ça parce qu'avec ces nouvelles commandes là, je ne comprends plus rien. D'accord, c'est cool. Ah bah déjà fini! Ah bah dites donc, c'est une enfant qui joue très peu à la poupée. En effet, pour finir aussi vite. Non, va aller aux toilettes. Va aux toilettes, je t'en prie. On n'oublie pas après de se laver les mains, c'est très très important. N'est-ce pas, cher viewer, hein? Sarah a très faim, si personne ne la nourrit. Oh! Ah! J'avais complètement zappé! Oh la pauvre! Bien chiale pas en plus! Arrête! Attendez, non mais quelqu'un va l'emmener. Oh la vache! J'ai complètement oublié notre fille! Mais oui, c'est vrai! Comment elle s'appelle déjà? Stop! Comment elle s'appelle déjà? C'est pas Axel? Non, Axel, c'est celle-là, Axel, je crois. Oui, elle s'appelle... Sarah! Oh, ma petite Sarah! Mais c'est vrai, ma Sarah! Père indigne, quoi. J'ai oublié ma gosse. Ah oui, non, mais là, quand même, c'est ultime, là. On peut pas faire pire. Mais oui, je sais pas, j'ai pensé... J'y pensais plus. C'est un peu dégueulasse à dire, mais je n'y pensais plus. Hein. Puis sa maman n'est plus là, donc... Elle est dans un état traumatisant. Oh non, Boo! Cute papa! Très gaga ce Benji. Voilà, Folin. Se dans les bras, faire une grimace. Parler parce que tu as te barré au boulot. Et puis, je sais pas qui va s'en occuper trop de la gamine là, mais bon. Je crois qu'elle va partir faire un babysitter. Je sais plus comment ça se passe. Mince, ça fait une semaine que j'ai tourné l'épisode. Je sais plus du tout rien. Ok, il est temps qu'on revienne un peu sur le terrain là, les amis, parce qu'on oublie très rapidement. Il est vraiment temps qu'on revienne sur le terrain. Voilà. Il va être l'heure d'aller au travail. Au niveau de ses besoins, il est bien. Il est très bien, mais. Rien à redire. Voilà. Il y a juste des musiques dans toutes les pièces. Faut arrêter. Ça me prend la tête. Ça me prend le chou. Qu'est-ce qu'elle fait là? Mais va jouer à la poupée! Va jouer à la poupée si tu t'ennuies! Mais danse pas la samba dans le salon quoi! Tu vas traumatiser des gens. Ah, c'est dégueulasse. Donc on disait, elle joue à la poupée. Ah, la voilà. Elle est très moche, sa poupée. Hein. Ah, vous avez vu, ils ont une piscine aussi. Ok, à la noix, ok. Déjà? Mais j'ai jamais vu un enfant qui joue aussi rapidement que ça. Pour faire quoi? Pour nettoyer! Genre! Genre, alors les amis, on se met dans la situation, ok, hein. On prend en l'occurrence ici une fille, une vieweuse, hein, qui est en train, elle est mise à la garderie, ok, qui est en train de, vous êtes en train de jouer à la poupée, hein, donc ou poupée, ou jouer à un jeu vidéo, ou quelque chose du genre, hein. Et vous vous arrêtez de vous-même, hein, c'est l'idée, vous arrêtez vous-même de jouer pour aller faire la vaisselle. En gros, c'est l'idée. Voilà. Alors, je ne sais pas quel gosse extraordinaire est capable de faire ça. Oh purée, excusez-moi, je me gourre dans les touches. Ça me saoule.
faut utiliser clic droit, c'est tout. À autre chose, ma Sarah. Non, c'est pas Sarah, elle, c'est Axel. Pff, mon jeu, hein. Je sature. Eh bah, va piquer une tête. Je t'attends à l'extérieur. Donc j'ai eu des retours sur ma piscine, hein, par laquelle était, elle était... Oula. La fatigue commence à peser. Par laquelle ma piscine était somptueuse, magnifique, splendide. Je n'en doute pas une seconde. Non, je ne suis pas narcissique. Allez, fais-nous des petits coups de bras, ça. Voilà, la nage du poisson. C'est exact. C'est la nage du poisson. Ah oui, vous terminez, les amis, dans les conneries. Ma chaise de bureau, elle est encore plus pétée. J'ai plus du tout de roue. Voilà. Donc, je suis assis par terre. Voilà, c'est pour ceux qui se posent la question. Donc, voilà, je joue avec les bras en l'air, etc. Enfin, bref. C'est un peu le bordel en ce moment, vous savez, mais... Injurié. Oh, il va y avoir du spectacle. Il va y avoir du spectacle. Il va y avoir du spectacle, du spectacle, du spectacle, du spectacle. Allez, on se motive. Elle a pas l'air très motivée, hein. Ah, trop d'assiettes. Oh oh, les assiettes sales s'accumulent et Benji n'arrive plus à survivre. Il peut soit surcharger le lave-vaisselle, soit abandonner et laisser quelques assiettes. On l'a déjà fait, ce truc. Et voilà, compétence moyenne. On se répète là ou quoi? Ou c'est moi qui pète un câble? J'ai l'impression qu'on se répète. Alors injure-le. Et même si je t'injure, hein, je t'aime. Tu es mon nounours. Il est un peu surdimensionné le bordel, hein, mais... un petit peu surdimensionné, mais c'est mon nounours. Et puis, je vais aller demander à mes poupées ce qu'ils en pensent. Alors, attendez, on peut donner même des noms aux poupées. Barbie. Qui ne l'aurait pas fait, hein, sérieusement les amis, hein, qui ne l'aurait pas fait. C'est très adorable. La relation fusionnelle de ces deux êtres est extraordinaire. Tu vas pas y jouer non plus pendant 4 heures avec un nounours. Tu joues même pas 2 minutes avec une poupée, puis tu vas jouer 4 heures avec un nounours. Mais c'est quoi ces Sims, les amis? Mais c'est quoi ces Sims? Oui, bon, 2 secondes, attends. Elle est déjà en train de se péter un délire, elle. Ouais, joue avec la maison de Barbie. Ah ouais, en plus, ça fait bien. Prends un repas rapide. Tu as faim? Ah, tu n'as pas goûté, c'est vrai. Ah bah attends, il y a un truc dans le micro-ondes. Vider le diffuse-ondes. MDR. Ça s'appelle un micro-ondes, hein, mais c'est pas grave. Je sais pas du tout si c'est chaud. Non, on va pas le jeter. Attends, ça doit pas être périmé, ça. Il remet pas dedans, nounouille! Elle est débile ou quoi? Bah oui! Bon, bah alors c'est périmé. Non? Oui? Non? Non, non, oui? Je sais pas, je comprends pas. Ah, arrête de bouger. Voilà. Alors, vas-y, vide-le, mets-le à la poubelle, voilà. Si jamais t'as un petit peu de temps dans la journée, tu iras sortir la poubelle, hein. Maman et papa, ils vont rentrer très tard, hein. Je ne sais pas quelle garderie est ouverte jusqu'à 20h43, mais bon. Arrêtez de m'envoyer des textos, là. Je suis bardé de textos, là, depuis 20 minutes, là. Ça, c'est pas possible. On peut pas faire 400 choses en même temps. Je sens que je vais éteindre le téléphone, moi. Tranquille. Bon, tu vas aller te coucher, oui? Non, no musique à the time, voilà, hein, vous m'avez compris, hein. Oh! Oh, la dégaine! Tu t'occupes des déchets toxiques, non? Bit of wax. Ah oui, tendu, pourquoi t'es tendu? Qu'est-ce que c'est que ce beans, là? Sans prise au piège! Mais attends, mais t'as 4 mecs! Où il est où le piège, là? Attendez, il y a ce bar avec 4 mecs, il y a du... Oh non, 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 j'ai...
pas assez de relations autour de moi, je suis dans une étreinte où il n'y a point de sortie, où je vais zapper la chaîne d'humour, parce que j'ai le seum. Et puis j'engueule ma fille, parce qu'elle me saoule. T'as pas école le samedi, toi? Non, pas du tout. Bon, bah écoute alors. À l'exception, je serai un petit peu plus tard. Je vais regarder la télé avec maman. À l'exception. Sinon, il y a un truc, je sais pas si t'es au courant, il y a un truc qui s'appelle canapé. Ouais. Sinon, ça sert à quoi qu'on se paye un canapé et qu'il prenne beaucoup de place dans notre petite maison de nain? Il n'y a pas d'intérêt. Voilà. Bon, même si elle a pas besoin d'augmenter sa jauge, elle passe un bon temps avec sa maman. Voilà, elle est joueuse, etc. Ça change d'humeur. Oh, MDR, se moquer des adultes. MDR. Ah, Ina. Taquiné de manière malicieuse. Espèce de petite fille mal élevée. MDR. Oula. Elle est en train de s'endormir. Après. Oh, pardon, maman. Pardon, maman. Je suis en crise d'adolescence. Il faut me pardonner. Va te coucher, ma fille. Oula, la sale voix que j'ai donnée à Emily, la pauvre. Bon, tu vas pas attendre Benji 40 ans non plus, hein. Mange un repas au micro-ondes rapidement, là. Allez, on mange ça rapidement avant d'aller se coucher. Benji va revenir entre deux. Cette maison est petite, mais elle est ergonomique. C'est vrai que là, on n'a pas de place. Et puis, de l'autre côté, là, dans l'arrière-maison ici, là, c'est immense, quoi. On a une salle de sport, une salle de création de cake. Puis la chambre de notre fille qui est plus grande que la nôtre, quand même. Parce que sa chambre, elle a... Quoique... Ouais, elle est un peu plus grande que la nôtre, quand même. La nôtre, elle est grande comme ça. La sienne est en... Ouais, un petit peu plus grande. Un petit peu. Et elle mange debout, quoi. Tranquille. On a plus de domestique là qui vient faire le ménage. Ah si si si. C'est juste qu'il vient plus. Allez hop. Ok d'accord. Ah on met le machin dedans quoi. Ok très bien très bien. Bon tu vas pas attendre Benji. Je sais pas à quelle heure il va rentrer. Si tu vas l'attendre. C'est quand même la moindre des politesses. J'allais faire une petite sieste. Sauf qu'elle est bien au niveau de l'hygiène et tout, elle est bien partout. La moindre des politesses, c'est d'attendre son mari, hein, qui travaille tant bien que mal, hein, pour amener un minimum de salaire à la maison. Voilà. Qui est quand même de 153 simflouz, hein, pour bosser comme ça la nuit. What the fuck? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Il est pas parti bosser comme ça, j'espère. Vache! Mais comment... Pardon, excusez-moi, je me compte bouton, mais comment... Pourquoi? Au final, ben, j'y ai beau gosse quand même. Allez, c'est parti, tout le monde au lit maintenant. Il se fait tard. Oui, non, mais faut pas chercher à comprendre pourquoi. Benji revient du travail en maillot de bain, mais bon... C'est normal, oui, c'est normal. On s'occupait de notre petit, donc tout est bien, parfait. Voilà. Là, comme ça, maintenant, là, on peut aller dormir tranquillement. À 1h38. Ce qui est extrêmement très tard. Je reviens pas, quoi. Tranquille, je reviens du boulot, comme ça, je reviens du boulot en maillot de bain. Tranquille, hein, je me fais pas trop de soucis. Ça va. C'est naturel, quoi. Et hop, on est passé en mode hyper temps. Là, c'est à mon avis, ça va être Axel qui va se lever en première. Ah bah non. La mère Steve, et la fille. Travoy. Urgence aux toilettes. Urgence aux toilettes. Ok, donc ça va être la queue aux toilettes, quoi. Qui arrive en premier aux toilettes? C'est le concours pour aller aux toilettes, quoi.
Ah, et bah c'est Emily qui a gagné le premier prix. Emily a gagné le premier prix pour aller aux toilettes. Qu'est-ce qui fait ce bruit? Qu'est-ce qui fait ce bruit? Il est mouche. Ça doit être encore la plante mouche. Qu'est-ce qu'elle fait? Non mais genre... Pourquoi est-ce qu'elle sent la poubelle? Ah, c'est les toilettes qui puent. Bon, c'est pas grave. Pourquoi est-ce qu'elle sent la poubelle, les amis? Elle a envie d'aller aux toilettes, elle ne tient plus. Et puis, elle sort la poubelle. Est-ce qu'on peut m'expliquer la logique? Oula, Emily était très énervée. Comment ça se fait? Ah, en colère, sans chaud. Ah, qu'est-ce qu'elle va faire? Renverser. Ah, oh, mais non, non. Le bruit. What the fuck. Le bruit, les amis. Tu te sens bien, c'est bon maintenant. Alors, tu allais me ramasser, tu allais me jeter ça, et puis tu vas aller me désherber tout ceci. Et tu vas me récolter les poubelles et tout. Enfin, bref, voilà. Tu allais me réparer tes petites conneries. Voilà, saloperie. Allez, merci. Cordialement. Qu'est-ce que je fais de ça? Voilà. Tu t'excites hein, contre la poubelle. Hein, ça a amené une plante poubelle qu'on peut même pas retirer. Donc, tu désherbes à 7h30 du matin. Hein, elle est très matinale, elle travaille, elle a même pas fini sa nuit, mais elle est partie désherber. Bon, au moins, on peut dire qu'Emily est active. Eh non, tu vas quand même te recoucher. Hein. Et maintenant, elle est tendue. Mais elle est chiante, cette Emily, c'est pas possible. Hein. Puis elle a continué sa vaisselle, mais c'est pas possible, ça aussi. Qu'est-ce qu'elle va faire, là? Manger un bol de céréales, quoi. Allez-vous arrêter avec cette vaisselle? Ils passent leur journée à faire la vaisselle. Et puis c'est la fille qui le fait. Les parents, ils sont rien. Bah non, vous prenez un domestique à la maison. Oh non, 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 c'est ma fille de 8 ans qui fait le ménage, leur passage, la vaisselle, elle s'occupe du gosse. Elle est gratuite, tout frais compris, c'est parfait. On la garde. Non mais je vous jure, plus sérieusement. Oh là là, catastrophe. Et puis ça s'est toujours pété, bah évidemment, Benji il fait gros dodo. Bon allez, on a gagné de l'argent hier, hein. On va pas se faire chier pendant 30 ans. Bon pourquoi tu mets pas de musique, parce que notre petite... Ah bah non, on dort plus. Ils sont tous partis en mode ultra sommeil. Est-ce que tu as des amis? Ah chut, commence pour hein. Occupe-toi-en. As-tu des amis de ton âge? Pas du tout. Donc quand tu iras à l'école, faudra apprendre à connaître du monde parce que... Et Samuel! C'est Samuel! Samuel Perrin! À l'aide. Moi qui ai besoin de plus dormir. Ok, mon Benji. Allez, Benji. Oui, bon, même si on fait la gueule, hein, parce qu'elle est en train de pleurnicher en bas, je sais. Je te préviens immédiatement, c'est un plaisir pour personne de s'en occuper de cette gosse, ok? Moi, j'ai qu'une hâte, c'est qu'elle grandisse. Et ce sera peut-être dans l'épisode d'aujourd'hui ou de demain, enfin, de la semaine prochaine, du coup. J'en sais rien, mais moi aussi, j'ai qu'une hâte, c'est qu'elle grandisse. Ok, elle est en train de... Elle parle toute seule, elle est en haut. Toute seule comme une grande dans son sommeil à cause. Allez, repartons nous coucher, hein. On va pas dormir tout seul, hein. Axel. Bah oui, prépare-toi. Normalement, là, le domestique devrait pas trop tarder à arriver. À moins qu'il travaille pas le samedi. La maison est à nettoyer, elle est plus que crado. Ça va, ça devrait aller. Mon chien du coup dort sur la chaise cassée. Oh, loulou. Bon bref, oui, je suis en train de vous parler de mon chien dans la vidéo, c'est incompréhensible le rapport, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Hep hep hep, même le matin, après chaque repas normalement, même si personne ne le fait, hein, on se brosse les dents tout en dégueulassant l'évier. Et on ferme le robinet. Mais c'est quoi ce brossage de dents express? Et qu'est-ce qu'elle va faire après? Ah bah ok, je me brosse les dents puis après je vais boire un jus d'orange. Ah non, c'est du lait, pardon. Non mais genre, elle c'est une consommation de lait quoi. Elle fait que ça toute la journée, je consomme du lait.
Ok. Est-ce que tu peux utiliser cette machine? Non. Bon, c'est vrai que notre fille, elle a pas beaucoup de jouets. Hein, quand on regarde au final. Attendez. Non, ça, on va le dégager. Ça, on va dégager. On s'en sert pas, cette purée de machine. Hop, voilà. Et on va y mettre une porte. Attendez. Hop là. C'est l'autre bouton. Tac, tac. On va y mettre une porte. C'est tellement simple à faire maintenant. Voilà. Donc là, du coup, c'est une pièce un tout petit peu plus petite. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Je sais plus comment on fait. J'ai un énorme souci de souris. Je sais pas pourquoi. On va le mettre là. Et puis là, on va en mettre un au milieu. Approximativement. Donc du coup, maintenant, il y a cette place pour se payer pour notre fille. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah oui, on a quand même de l'équipement. Bon, c'est pas l'équipement utile, mais on a quand même de l'équipement correct. On a 3 lits. On se demande pourquoi. On nous donne des lits, nous. Je sais pas pourquoi, c'est un peu con, mais bon. Notre fille, on veut la chérir. Oui, il paye toutes les barriques du monde. Non, peut-être pas. On va y acheter plutôt une poussette déjà, un petit jouet que non, elle a déjà. Petit robot martien. Et un coffre à jouer. Un rose si possible. Oups, avec plein de jouets. C'est quoi ça? Morceau d'argile. Pourquoi pas. Un hélico, un petit bonhomme comme ça. C'est trop grand, c'est bien. Voilà. Écoutez, on y a tout acheté. On y a acheté tous les jouets qu'il fallait. Nettoyer les jouets. C'est quoi ça, nettoyer les jouets? Range les jouets, Bazagne. Et correctement, hein. Allez. On range, on classe, on se motive. Encore une fois, une fille qui range sa chambre sans la demande des parents. Mais ça aussi, c'est quand même dans le domaine du extraordinaire. J'ai rarement vu ça. Oh, on va la laisser tranquille. Déjà qu'elle range ses jouets, c'est déjà très très bien. Hein. Si en plus on la taquine... Hep, 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 là les cocos. Debout, debout, hein. Les samedis, ils se lèvent à midi et demi, hein, tranquille. Ça va. Ah oui, aujourd'hui, c'est bientôt l'anniversaire de Benji. Oh, il va devenir un petit papillon. Comment ça se passe? Oula, il est de très mauvaise humeur, hein, Benji. On va pas tout le taquiner. Concentrate, ok. Là. Il va devenir... Oh! Oh, les amis! Oh, d'accord, c'est les statistiques du Sims. Ok, j'étais même pas au courant. Incident de vessie. Ah, MDR! Nombre total d'envies réalisées, 43. Émotion. Où il a été heureux. Ah, mais il est très souvent heureux, quoi. D'accord. Donc, il va vieillir. Jour avant le prochain. Oh, 8 jours. Mais c'est bon. Eh oh, tranquille. Emily. Faut modeler l'argile. Bientôt l'anniversaire de Sarah.
Mais ça suffit, oui, avec ces anniversaires à la noix, là. Ok. Alors, elle est en train de modeler... Pardon, je me mets le bouton. Modeler l'argile. Oui, puis elle avait pas avec le dos de la cuillère, hein. Oui, mais elle va nous faire une sculpture avec ça. Non, ça, ça va pas rester dans cet état-là. Ça, ça va pas rester une horreur. Ah, qu'est-ce qui se passe? Inspiré. D'accord. Oh, Benji! Bon, bah, à l'hôpital. À l'hôpital. Voilà, il se coupe le doigt de pied ou le doigt, je sais pas quoi, à l'hôpital. Pour un cuisinier, hein, c'est... Pour un cuisinier, hein. Pour un cuisinier, c'est très très mal, hein, de se couper comme ça. Puis en plus de pleurnicher comme pas possible parce que je me suis coupé... Alors ça, c'est clairement de loin acceptable. Bon, plutôt tu vas arrêter de jouer avec ça, tu me stresses. Oh là là, mais quelle nouille! Pour préparer quoi en plus? Pour faire une pasta primavera! Mais qu'elle manque sérieusement de niveau. On est en train de l'engueuler comme pas possible, mais qu'elle manque de niveau. Emily! On va faire du punching ball, mais qu'elle me glande celle-là encore. Allez. Repas au micro-ondes, hein, etc. Oui, on fait que du micro-ondes dans cette famille. On ne connaît pas, comme Benji, là, prendre quelque chose, couper des légumes et tout, on ne comprend pas. C'est vrai que franchement, on devrait acheter un micro-ondes par personne. On en aurait assez, je pense. Yekla, Benaj. Voilà, c'est bon. Tu peux reprendre la cuisson puisque ta fille a fini. Puis Benji, il mange debout. C'est quand même comique. Ah, voilà. Parce que sinon, on a mis une musique de merde là. Je suis pas d'accord. Je ne fonctionne pas de la même manière. On mange avec la musique. Je ne vais pas dire c'est quelle musique parce que sinon, on va me tuer. Mais on mange avec la musique. Bon, du micro-ondes aussi, mais c'est de la musique. Bon, me contredisez pas. Oh, mais non! Benji le bricoleur, ce n'est pas Bob le bricoleur, c'est Benji le bricoleur. Oui, attention, faut faire gaffe quand même avec un micro-ondes. C'est pas... Voilà, un micro-ondes. Oh là, petit coup de lag. Petit coup de la lag. Commence dans une heure. Ah. Bah allez, qu'est-ce que tu fous là? Va réparer. What? Mais comme tu me t'oublies, il a ouvert la porte. Il a fait 3 tours de tournevis. Hop, ça y est. On n'en parle plus. C'est fini. Je sais pas où tu te barres, mais il y a plein de trucs à faire dans la maison. Tout le monde s'en occupe. Qu'est-ce que tu m'as fait là? Non, non, non. Mais le micro-ondes, ce n'est sous aucun prétexte un endroit pour stocker la nourriture. Et puis faut sortir la poubelle, chérie. Allez. Voilà. Quand on s'y met tous, on y arrive, les amis. Hein? Quand on s'y met tous, on arrive à... Ah voilà, quoi. D'accord, tu dis même pas au revoir, hein. De ton Benji, il se barre au boulot, il revient qu'à 23h ou même plus de 23h, et puis elle lui dit même pas au revoir, elle dit rien. Elle lui dit, casse-toi, tu m'embêtes, tu m'enquiquines, tu... D'accord, donc en fait, Emily, elle est partie foutre ça dehors. Je te demande pourquoi. Bon, puis le machin pour le ménage, elle est pas venue, bon, c'est pas grave. Oh. Ça dégoûte Emily, mais...
c'est Emily qui s'y met à la tâche. Voilà, elle est encore en tenue de sport, donc elle est en plein dans l'activité sportive. Il faudrait qu'elle aille se laver parce qu'elle pue comme pas possible. Donc du coup, elle est en harmonie avec l'intégralité de cette maison qui est amplement dégueulasse. Mais bon, on fait comme on peut, les amis, pour maintenir cette maison, hein. Puis ce n'est pas avec l'aide de Benji qui est en permanence barré au boulot. Hein, on peut le préciser, on peut se permettre de le préciser. Voilà, allez, vas-y, on enchaîne. Oh, oui, bon, tu pues, on est au courant. Tu enchaînes avec le lavabo. Le lavabo qui est juste à côté. Axel, qu'est-ce que tu refous là? Tu me saoules là, tu me saoules vraiment. Voilà. Ah, merci. Attends, Axel, si tu sais pas. Non, vas-y, regarde la télé. La consommation d'eau du robinet. Emily! La facture va exploser, hein. La facture va exploser à la fin du mois, hein, si ça se termine pas cette histoire. Hey. Et je suis très sérieux. Tu peux Axel, ça tu peux le ressortir s'il te plaît. Oh, bonjour! Je t'ai su! Jules! Putain, la vie! On va l'inviter à rentrer, mais après. On prend notre douche, bordel, on peut pas être partout, hein. Alors attendez, on va demander à notre fille qu'elle s'en occupe. Invite à entrer. Maman, y'a Jules. Et arrête de gueuler! J'ai pété un câble! J'ai pété un câble avant la fin de l'épisode. Stop, please! C'est bon, il est dans la maison, il regarde la télé éteinte. Va t'occuper de Sarah! J'ai pété un câble! Vite! Ah. Non mais surtout au casque, c'est insupportable parce que dans la vie réelle, on peut s'en débarrasser, etc. Mais là, quand on met le casque sur les oreilles, on est vraiment pris dans le son du jeu et on peut pas s'y échapper du son du jeu. Donc on est en permanence dedans et ça peut être dur à la fin. Je ne comprends pas pourquoi j'ai des chutes de FPS aujourd'hui, je ne sais pas, ça commence à fatiguer. L'ordi commence un peu à fatiguer, je ne sais pas. On va forcer à arrêter l'épisode là quand même, on a encore plein de trucs à faire. Oh, ce sera un peu tôt pour arrêter l'épisode. Lave-toi les mains, je t'ai pas vu te laver les mains. Oui, j'ai dû que ma fille, comme elle se doit d'être éduquée, hein, se laver les mains, etc. quoi. Bon, je t'ai demandé de te laver les mains, pas de te les désinfecter. Du coup, ça oblige maman à se laver les mains dans la cuisine. Voilà, donc on double la consommation d'eau. Ah, c'est fait un truc. Benji, il aurait été là, il t'aurait fait un plaisir de te faire un coup de mixologie, mais malheureusement, non, Benji n'est pas là. Il est parti travailler, hein, ce brave homme, donc... voilà. Allez, les amis. On est des fous. Elle va le redraguer, vous allez voir. Vous allez le voir. Elle aime bien, c'est un petit peu la coupe à George Clooney, hein. Bon, me demandez pas le rapport avec George Clooney, les amis, hein, s'il vous plaît. Hein. J'essaie de faire de mon mieux pour commenter cet épisode, hein. Alors, ne réfléchissez pas sur mes commentaires, merci. Vous dites oui et c'est tout, ah, ok. Non, ça ne va pas. Raconte-lui une blague perso, genre le truc méga pourri que personne ne comprend. Stop, c'est pas possible ça. Mais qu'est-ce que tu fous là? Mais qu'est-ce que tu fous là? Mais qu'est-ce qu'elle fout là cette fille? C'est pas possible. Elle a rien à faire dans la conversation, genre. Hello, sure, Weeby. Force. Ah, Rishi Pando. Se rattraper, ça va mal se barrer. Nerfa. Ah bah voilà, il a bien voulu, vous voyez. Chimere Jabin Slawfish. Hanaklets. Jabin. Ah, elle est en train de lui demander de faire l'amour dans la fusée. Ah oui, non, mais c'est un gang, quoi, cette Emily, quand même. Hein. Cette Emily, c'est vraiment le pompon, quoi. C'est le summum, quoi. On peut pas faire mieux.
Il est célibataire. J'ai l'impression que c'est froid, je n'ai plus du tout aucune interaction entre les deux. Est-ce que par hasard vous êtes crispé? Commence à fatiguer là, même le matin, on commence à fatiguer. Benny, oui Benny, vous la connaissez Benny. Non mais c'est bon là-haut. Steve Charso Denoy. Flizza. Flagisi. J'étais gêné à cause de ma fille, hein. On peut l'envoyer chez sa grand-mère imaginaire. Hein. Si c'est aussi gênant, alors moi ça me dérange pas. C'est vrai qu'elle est un petit peu à côté de nous. Ah, elle a pas de caractère méchant. Ah, excuse-moi. Pofale Nardu. Sukuni Lazar. Excusez-moi deux secondes, il faut que je m'occupe de ma deuxième fille, hein, parce qu'elle est aussi insupportable que la première, n'est-ce pas? Hep, 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 Axel. Axel, Axel, Axel. On ne commence pas comme ça à foutre son bordel partout. Il est où le machin là, lui? Ah, j'ai mon téléphone qui sonne. Emma Lefebvre va prêter pour discuter. Oui, vite fait alors. Vite fait, hein. J'ai pas de temps à perdre au téléphone. Je suis suroccupé là. J'ai un invité clandestin à la maison que je veux draguer qui en a rien à péter de nous. Peut-être parce qu'il est trop vieux. Mais dans ces cas-là, il se voit en tant qu'ami. Mais moi, je n'ai jamais vu d'amitié avec un homme. Bordel! C'est quoi ce lag? Allô. Petit ordinateur, est-ce que tu peux... Oulala, je crache sur l'écran, c'est dégueulasse, je sais, je le lis, pour ça j'aime bien. Oh là là, bon allez, c'est bon. Je ne supporte plus ta tête. Il y a deux fois l'interaction, demandez de partir. On est en train de lui dire, tu viens de chez nous, espèce de gros salopard. Tu nous pompes le derrière, cordialement. Ah non, elle est déjà couchée. Déjà couchée. Ah bah oui, il est 22h30. Ah oui, en effet, il est un petit peu beaucoup tard quand même. J'ai cru qu'il était beaucoup moins tard que ça. Bon, c'est pas grave, ça reste par terre. Notre fille va le nettoyer demain matin. On va la mettre à la besogne. Bon, Benji, il est pas du tout prêt d'arriver. Elle est pas fatiguée, notre Sims. Bah, tu parles, elle s'est levée à midi, quoi. Comment quelqu'un qui se lève à midi peut-il, à 22h, avoir envie d'aller se coucher? Sérieusement. Oh là 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 là. Ah, mais en toute vérité. Bon, c'est divertissant. C'est principal. Tu n'as pas mangé, tiens. Eh bah, tu vas. Manger. Et en même temps, regarder la télé, la chaîne cuisine, tiens. Excusez-moi, les amis, pour les lags occasionnés. Là, je sais pas, j'ai des chutes de FPS complètement bêtes et inexpliquées. Je peux pas dire d'où ils viennent. Tant bien que je ne comprends pas. C'est un petit peu inexplicable, donc bon, je sais pas, c'est pas grave. Oui, on a compris. Mais tu recommences pas, parce que tu vas réveiller ta sœur. Et tu sais bien après comment ta sœur, elle est insupportable, hein. Et puis que fout Benji, là, c'est pas possible. Il se glande, il prend son temps au travail, là, il nous fait croire qu'il bosse, mais ça se trouve, il est en train de boire un bon vin avec son patron, hein. Parce que généralement, ça se passe comme ça, les services de cuisine, à partir de minuit, on ouvre une petite bouteille de vin, hop, et puis on se le goulou-goulou, hein. Ouais. Pas goulou-goulou, pardon, glou-glou. Excellent programme de télé pour faire du steak, non? Ah, c'est Mamie Nova! Ah bah oui, voilà. On comprend tout de suite mieux. Oui, I compris. Tu te fermes ta bouche maintenant. Benji, je te supplie, sauve-nous la mise. Sauve-nous. Dans quel état critique il est, ce Sims? Bon. Bref, en tout cas, ce Sims est extrêmement de rentre et est extrêmement content de rentrer. Et nous allons nous quitter dans les cris assourdissants de ce gosse qui ne va pas se la fermer pour la fin des... Merci. Donc, allez les amis, en tout cas, merci d'avoir regardé. Surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire ainsi que de mettre un j'aime si la vidéo vous a plu et à vous abonner pour... Arrête de crier! Pour suivre la suite des événements de la famille Le Roi.
Oh, Shushka! Je viens de faire pourtant avec, je sais pas pourquoi. Donc, à la prochaine. Alors, attendez. Prends une douche, voilà. On va y arriver, on va y arriver. C'est juste qu'il a zéro divertissement, il est crado comme pas possible. Il y a la sueur, la fumée de. J'aimerais pas l'avoir en tant que cuisinier, pardon. Et puis la douche, elle est dégueulasse. Mais ça, ce sera notre fille, bien évidemment, qui ira les nettoyer au prochain épisode. Alors, donc, les amis, n'hésitez pas à mettre un j'aime et un commentaire. Et on se retrouve donc très rapidement pour un de vos épisodes favoris. Je ne sais pas s'il s'agirait d'un épisode des Sims 3 ou d'un Assassin's Creed Unity si j'arrive à résoudre le problème. En tout cas, je l'espère. Je vais travailler très très dur pour résoudre le problème. Mais voilà, quoi. Je ne suis pas non plus faiseur de miracles. Hein, donc, bon. Il y a. Les limites de la technologie sont les limites de la technologie, malheureusement. Voilà. J'essaierai quand même néanmoins de trouver une solution. Hein. Je ne reste pas comme ça sans rien faire. Allez, à la prochaine. Ciao, bye bye. On va dire, waouh, c'est quoi cette nage? Encore un poisson. Mais qui nage comme ça, sérieusement? Mais qu'est-ce que c'est cette nage? Non, il essaie de me faire blaguer, c'est pas possible, on peut pas nager comme ça quand même, oh.